kwela mna bino bonso ba bozuli baku ya kolanda basa mna bino olokote ya lingala obolunaka mingi ba bengi mwenge beti ya mokolo ya vendredi 13 septembre 2024 si mwama tamende boku zoba detay tokofuna basa mna bino po nako sa bino ete kata mokondi akambaki mokolo ya jeudi 12 septembre 2024 réunion oyo esengseki bakambi institution nyonso ekolo Congo démocratique tope interinstitutionnel wapi ba salaki analyse ya situation globale ya République démocratique du Congo bolanda ba détail na Curis Pembele. Mokolo ya jeudi 12 septembre 2024 na cité Union africaine tata mokonzi ekolo gara yetamboli malamu ya ba institution akambaki réunion moko interinstitutionnel tope réunion oyo esangisaki bakambi ya ba institution nyonso ya Congo démocratique wapi ba analizaki situation globale ya ekolo Congo démocratique. Tata mokonzi apesaki ba orientation na bakambi ya ba institution nyonso oyo bazalaki présente lobby ya assemblée nationale ya sénat ya gouvernement pe ya conseil supérieur ya magistrature ba recommandation oyo etalaki ba secteur lokola économie, éducation, santé, justice et sécurité. Boyoka, président de l'Assemblée nationale, Mwana Mboka, Vital Kamere, Ndenge Abetsaki Ngonga. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain, et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi... Tous allés na dépêche, ce n'est pas si maïté. Autre coup militaire et outil bongo copé sa bitumbu. Y a peine de mort na batebele au yobatangamaki na faire y a coup d'état maqué y a lingomba zayon y a Christian Malanga. Mokolo y a vendredi 13 septembre 2024 na prison Yandolo. Ba détail bokozo a malaisim. Audience pona likambo eteli liwa ya mwana oya kufaki na lycée Sévignien et Fongamaki mokolo ya vendredi 13 septembre 2024 na tribunal pour enfants Kinshasa Matete boyo kandenge bavuka na mango babetsa kingonga na bilili ya Fisto Mandondo. Comme vous l'avez appris sur les réseaux sociaux, il y a une vie humaine qui avait été ôtée dans une école. C'est comme ça que l'audience a eu lieu aujourd'hui, parce que c'est une question qui intéresse les enfants. Lorsqu'un enfant commet des actes que nous considérons infractionnels pour les adultes, en ce qui concerne les enfants, on dit que c'est un enfant qui est en conflit avec la loi. Et à cela, il y a une juridiction déterminée pour que de tels actes soient examinés par les juges qui sont appelés à examiner le comportement des enfants conflits avec la loi. C'est comme ça que l'audience avait eu lieu. Il est dans les prérogatives du juge. Le juge peut décréter les huit clos, c'est ce que dit la loi, peut. Alors, vu aussi les circonstances qui entourent la sensibilité du dossier, le tribunal pour enfants de Kinshasa Matete a jugé bon de pouvoir décréter les huit clos. C'est-à-dire que seuls les avocats ainsi que quelques membres
des parties victimes ainsi que de la partie enfant en conflit avec la loi qui pourrait accéder à l'audience, ce qui échapperait au caractère public d'une audience. C'est ce qu'il y a eu. Et nous étions là. On a commencé l'instruction aujourd'hui. Je crois que vous avez vous-même des images, voire même aussi des vidéos, qui montrent à suffisance que le corps de l'enfant jouissait déjà dans l'école. Vous savez, dans les corps humains, il n'y a que 5 litres de sang. Et lorsque vous perdez déjà une grande quantité, quand on vous amène devant le médecin ne constatera que l'effet, les dégâts. Dire que les parents avaient refusé, c'est les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, vous savez, tous les coups sont permis. C'est donc qu'il s'agit d'un temps de notre temps. Jusque-là, on n'a pas encore entamé la question de l'école. On y reviendra lorsque le moment sera venu. Nous avons apporté la preuve de notre amélioration, un document médical qui a attesté que l'enfant a l'âge de 12 ans. Et nous sommes dans une matière spéciale où l'enfant mis en cause, mais que ce soit, c'est une matière pénale. Il y a la liberté de presse. Alors il faudrait une presse contraire en parenté de nous l'avoir. Je ne sais pas évoluer par rapport à la décipitation. Nous n'avons pas ces preuves, nous ne sommes pas avocats de l'autre partie. Et lorsque le dossier aussi est en pleine instruction, en tant qu'avocat, nous avons l'obligation de réserve de ne pas entrer dans le vif de débat. C'était, comme le confrère vous l'avait dit, que c'était la toute première audience à l'exile. Et le juge nous a envoyé pour certaines mesures d'instruction, peut-être à l'évolution que nous saurons plus. C'est facile, nous savons rien. Acteurs politiques, pays à société civile, c'est qui déclaration pour na kolobela ndenge bache qui poisonne bureau ya ministre et justice garde so Kosa Mutamba Bolanda déclaration oyo na bilili ya Yannick Mulengo pe Irène Boulembi. Il a été porté à la connaissance du public que le ministre d'État, son excellence Constant Mutamba, a été testé positif au poison. Nous, acteurs politiques de toutes tendances confondues, société civile, les hommes et femmes de médias, les hommes des dieux, la jeunesse et l'ensemble du peuple congolais, apportant notre soutien indéfectible et exprimant notre solidarité à ces jeunes ministres qui s'est distingué qualitativement dans le 100 premier jour du gouvernement souminois. Ainsi donc, nous mettons en garde toute personne, réseau mafieux, qui travaille contre les intérêts de la République, en sabotant l'œuvre salvatrice du ministre Mutamba, menée au profit du peuple. Nous demandons instamment aux hommes des dieux de faire monter des prières de supplication en faveur de son serviteur, le ministre Constant Mutamba, car il est écrit « La justice élève une nation ». Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. À la jeunesse congolaise de demeurer vigilante et de se mobiliser tous azimuts pour accompagner les ministres qui représentent le jeune Congolais au sein du gouvernement. Simba été Mwanamboka Doudou Fomba, Likonde, ministre national ya finance, Azalaki na visite ya inspection na bâtiment, administration ya DGRAD, Ozomina commune ya Gombe, Paiwapi, Akendaki ko sensibiliser, Bajan ya DGRAD na Oyo Etali, mobilisation ya ba recette non fiscale. Reportage ya l'étupiration Massiala. Na itinérance na ye ya ko visite ba régie financière nyonso oyo ezali na kati ya ministère na ye l'argentier de la République Doudou Roussel Fomba Likonde Libotai ministre national des finances a outi ko kita lisusu na siège administratif ya direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations générales na Mokuse wapi azalaki na masoloma kasi na ba membre ya coordination oyo ezalaki représenté na
ye moko la dame de fer mama Christine Epulu Kebumbula directrice générale par intérim oyo azalaki elongo na ba directeur général nyonso natina ko sensibiliser bango na mission ya DGRAD oyo ezali bongo ya ko mobiliser ba recette non fiscale po na ko atteindre vaccination oyo et bongisa mina exercice budgétaire ya 2024 pe lisusu ministre mokonzi Dudu Fwamba a sengi na bakambi ya DGRAD collaboration moko ya malamu kati na ba agent nyonso ya DGRAD pe respect na musala na oyo etali ba compétence pe ba formation et pa ya ba agent buyu kangonga le passage ici il va nous aider et je ne sais pas, on va essayer d'échanger avec vous, mais avant que vous ne soyez là, nous avons eu à échanger avec les directeurs d'ici et de l'intérieur sur des cas, sur certains cas de récupération qui nous posent problème. Ouais, Madame DGA, je compte sur vous pour la rivière avec le DGA 1, métier de la rivière pendant les peu de temps qu'il y a ici. Ça me ferait très mal que les chefs de l'État décident autrement en arrivant à la conclusion que vous ne vous entendez pas. Et je n'aimerais pas que vous puissiez l'imputer à ma pauvre personne. Mais dans ce contexte du désordre ici, même s'il y a des contentieux, les gens vont marchander quand il n'y a plus l'ordre et la discipline. Chacun fait ce qu'il peut. C'est comme ça que moi je suis venu un évangéliste ici, vous rappelez alors, vous conscientisez et vous rappelez que là où il y a les hommes et les femmes, les problèmes ne vont jamais manquer. Tout bandit était que le kaya ministre Dudu Fwamba na DGRAD et coupé sa souffle à Malonga pour été. Yé mon copé azalaki mwana ndaku na poste de directeur général adjoint en charge de technique. Ngonga ibeti. Mon amboka Christophe Kalala Mbayo, secrétaire général y administration y a portefeuille à Otibongo Koponama ambassadeur bénévolant na Katia Selil y a innovation pe changement de mentalité pour na brafe Moussala Kitoko Azaliko Sala na Katia République démocratique du Congo Bulanda reportage y a les Tupirasso Masela. Toujours très dynamique sur le terrain, le stratège secrétaire général Christophe Kalala Mbayo a outi bongo ko ponama ambassadeur bénévole na cellule d'innovation ya changement ya mentalité CICM na mokuse oyo ezali moko ya ba structure technique na kati ya présence de la République nyonso wana pona politique managériale na ye azalaka na yango tango nyonso bisika nyonso alikaka pona mosala ya administration publique. Mwana mboka Christophe Kalala Mbayo très expérimenté parmi ba secrétaires généraux oyo bazali ko sala mosala ya malonga na administration publique na sima ya vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndakisa ya malonga euti ko mona na administration ya portefeuille wapi e sali bongo ba mbula ebele mobimba administration ya portefeuille e bandaki ko fonctionner na cadre organique ya kala yango e bandaki ko pesa manka gagner makasi na matière ya recette ya administration ya portefeuille sur terrain surtout na étendu mobimba ya école Congo démocratique kasi lelo oyo administration ya portefeuille e komi na cadre organique ya sika oyo e kotali sa représentation ya administration ya portefeuille na ba province nyonso. Longo nyana yo lisusu mwana mboka Christophe Kalala Mbayo na musala kitoko ozali kosala na administration publique ngonga ebeti. Serge Magna, membre ya présidium ya dynamique Congo Nouveau Décennie na mukuse avec Singonga pour na kolobela ndenge ba réduit taxe importation ya 10 produits à nécessité azali bongo na micro ya Patrick Lusala. Pour attaquer ma bien de première nécessité, ma produit de première nécessité, qu'on baisse le prix. Nous sommes à la base un pays plus consommateur. Tout produit a presque été. Donc nous consommons ce qui vient de l'extérieur. Donc, ce qui est le lot, réduire à 50% le droit à l'importation, il y a ma bien de première nécessité. C'est une mesure à court terme pour rapidement la population constater baisse le prix. Sur le marché, puisque faut renforcer la solution au Congo, le leur renforcer le pouvoir d'achat à Congolais. Avec le prix qu'ils gagnent, si vous baissez bah, bien de première nécessité sur le terrain, dans le marché, et vous pouvez vraiment force dans mon kéo, bah, gagner là, pour pouvoir d'achat à la Makasse.
ou soit qu'on va salaire na bango ou va gagner un peu de pouvoir y a pouvoir d'achat. Mais pour l'instant, ce qu'il faut faire à court terme, c'est qu'on baisse bien la première nécessité. Voilà. On a de la farine, de l'osso, de mafuta, de makayabu, de mungwa, de sucre. Ça vaut la peine dans un premier lieu. On a le droit d'avoir l'importation de côte à côte. En plus, il y a un rapport sur les rubriques dans le bulletin pour le dédouanement. Au commun, il y a un frais à payer, la taxe à payer, il y a un foot, il y a une redevance, et belé. Donc, éco-financier en rien, importation à Bissau, puisque ce ne sont pas que le seul produit au lieu de l'importer. Tu importeras presque tout dans le Congo. Donc, tu dois réduire quand il y a 9 ou 10 produits seulement. Je pense que ce serait une très bonne chose à court terme. Mais à long terme, la solution à long terme, les amis, Bissomoko n'a pas été en bon retour à reproduire. On ne sait pas comprendre qu'est-ce qui nous bloque pour Bissoto Salabilang à caractère industriel. Qu'est-ce qui nous manque pour Bissoto produire comme il se doit, pour Bissoto Bimisaralibanda. Donc, je crois que c'est ça. À court terme, ça vaut la peine. J'encourage le ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba, et puis le gouvernement Judith Suminwa, pour nous causer idée wana rapidement. Population a constaté baisse à bas prix de première nécessité au basson à chaque jour. Alors, et donc, population n'a rien à voir. Dollar et quitta, billet on a marché et quitta. Celui de dollar et quitti, billet on a marché et quitti. Je vois qu'on a manqué au bon bas gagner d'abord à la mesure de refaire face d'abord à court terme dans Babylon pour être sur le marché. Mais ce qui est plus important, les amis, nous devons produire à l'interne. Il faut insister là-dessus. Nous devons produire d'abord à l'interne. Et aux solutions de mon bébé. Agence congolaise de presse ACP na mokou se outi ko fongola ba bureau ya représentation na yango kuna na Rome na capitale ya Italie bolanda ba détail na pure sembe Ezali mbala liboso après 30 ans Agence congolaise de presse ACP ezui bureau mosusu ya représentation na étranger bureau yango e fongola ki ba porte na yango mokolo ya jeudi 12 septembre 2024 na Rome capitale ya Italie. Yango est ici, retour ya ACP sur le plan international. Yango est ko permettre ya ko panda sango ya RDC, pe ya ba pays mosusu ya Afrique, biro oyo est ko couvrir Italie mo bimba pe Vatican. Voyo ka ndenge DG ACP. Mwana mboka bienveni, bakumanya abeta kingonga. Au rendez-vous du donné et du recevoir médiatique. Les Congolais doivent se dire que leur voix sera entendue, parce que sur la place, nous allons donner des informations de la République démocratique du Congo venant de toutes les tendances. Et également, les Congolais qui s'intéressent à la République démocratique du Congo pourraient également entendre autre chose. Ils pourraient également lire autre chose que les clichés qu'on leur a toujours présentés. Au Congo, il n'y a pas que de choses qui ne marchent pas. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que des maladies. Il y a autre chose aussi. Il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qui sont bonnes à savoir. Il y a des Congolais qui excellent dans ce qu'ils font. Il y a des Congolais qui donnent de bons résultats dans les travaux qu'ils réalisent. C'est le moment de le présenter, c'est le moment de présenter le Congo sur un autre visage. Ambassadeur Ecole Congo démocratique na Italie, Mwanamboka, Paul Emile Tchinga, Azangakipete Kobetsangonga. Notre pays, comme on disait tantôt, est connu comme un pays de guerre, où on fait la guerre, un pays où il y a la faim, un pays où il y a des maladies, des épidémies. Mais avec l'ACP, aujourd'hui, l'ACP peut donner la vraie information auprès des autres agences de la situation réelle de notre pays et de tous les efforts que le gouvernement actuel est en train de faire pour donner une nouvelle image, aussi bien dans la diplomatie congolaise que dans d'autres secteurs des activités de la nation. Na molongo na voyage oyo DGA ya RTNC mwana mboka professeur José Adolphe Voto yepe oyo azalaki wana azalaki te kobetsa ngonga la CP et la RTNC d'accompagner le gouvernement et vulgariser davantage ce qui se passe au pays à l'étranger et même au pays et donc nous comptons sur le gouvernement qui est notre premier partenaire et dont nous sommes les bras sur le plan médiatique pour que nous puissions relever des grands défis d'isolement médiatique de la RDC aujourd'hui, parce que la RDC a des grands défis à l'international, et que nous ne devons pas seulement rester au pays, mais rayonner comme hier, qu'on voit rayonner hier à travers la ZAP, à travers l'OZRT, et donc nous avons cette obligation aujourd'hui de ramener le Congo à ce niveau-là, pour que notre discours
notre voix soit aussi attendue. Bureau ya ACP na Italie et fungwami si ma expérience ya bureau ya liaison Oyo et tiamaki na royaume ya Belgique na 2023. ACP et Kani kofungwa la kalate ba bureau mosusu ya sika na mokili mobimba. Ngonga ebeti. Balabala mbole, tozo mibongo na komune ya Kalamu, na direction ki mwenza, na yolo sid, ezali ya kobeba makasi population, aleli na mbula matari, abong sila bangonzi, la pambate ya ngonde suma kabango, bolanda reportage ya Sardou Dibouke ya Nike Moulingo. Tozomi awa na kartye Yolo Sud précisément na balabala Kimwenza Mbole na commune ya Kalamu ndenge kaka bozali komona na bilili avenue oyo ezali ya kubeba na mabulu suite ya kanivo moko boucher oyo elikana na se ya balabala yangonde ezali kotondisa mai makasi kasi selon bavandi ya eteni oyo avenue oyo ezali kaka mbula moko ya pamba si makosala yango na société moko JMC E bandaka na dibulu moko e singela kiba bamba yango kasi isali makati nde lelo oyo e komina ita ya bui. Population e mekaki ko debouche kanivo yango kasi simba kite oyo ezali ko senga kaka intervention ya bakonzi. Nangamu mosusu bugumesa ya komini ya Kalamu asala kata reaksyon moko te utanzila oyo e komina ita oyo. Boyoka population ndenge babeti ngonga tozana pasi mingi parce que nzela oyo kimwenza ya na yolo na Kalamu ebebaki mais compagnie na kombo ya JMC bangonde bato sala nzela oyo JMC le basala on mabete a peine JMC uto sala nzela oyo a tozoloba et ça il pas même une année nzela bebi lisusu tali passe bani ko toboka na tamba ba silisi libulu mo ebanyua na il fallait ba betoner mais ba betoner te Les alloukouta, les abissons à la population, les années, bateau à Zosala, ouvrage, bateau à Zosala, longue durée, bazar sérieux, t'en as exécution, mais ça n'a pas. OVD Moussa, ils ont curé. Il faut pas ça, suivi. Ils ont robé, mis sa matite, tu vois, en amère. N'a pas le droit de voir un moussika. Et ils ont un katabaka niveau. Donc, comme il y a un moment où il y a moula, le peuple a souffri, malade, il y a kirikiri, malade, il y a libosé, il y a un maï, oh, comme on a, oh, Batera se va tirer en hôtel na commune à Kalam. Toi na balobelité. Nombre de balobelé ba la xana parlement, pas balobelé na biso de toi bi bangote. E kozala malamu na bakondi tango mosala ezali ko salema ko landila yango, nzela soki tonga misika po ekufa, il faut kozela au moins 10 ans. Kasi oyo ezali kaka mbula moko, ezali ko bwa ka mbongo ya ba contribuable. Ngonga ebeti. Na basango ndenga zuningi saka ko kabwana bino soki bo se presse musala malam olbope sa merci na chef ba kamera men o ya sima ki kamera ku par bola na reju final bon les avec qui Serge Koulou montage Ezaki a Enif Mulingo et Dissu Zaki Kaka ya Yannick Mulingo ya mbonga na kabwana bino ekipe ya Mungebeti ezo kabola mawa na moko ya bango na kombo ya Patricien Koula oyo awuti bongo ko bungisa papa na ye tikete kimi en koleza la o mabuta na bino Fitness santé mon loyer na Canada nzete ya bompaka ya Patricien Feza Okenge a botama le 13 septembre ya mbula moko kokoma le 13 septembre 2024 Tom Fitness santé mon loyer azali ko sepela pamba te kolonzambe a bakiri susumbula moko na bomonai Talatina bienvenue de sala a ko souhaité joyeux anniversaire Rédaction Ngonge Beti P. Et sans ici basoué na bango pe balobi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire na Yusus Tom Fitness Santé Moloa et Tikete Nzambe. Abaxelo Yusus Mikolo et Bele na se amokili. Omo na bana pe bakoko ya bakoko na yo. Tom Fitness Santé Moloa et Outa Canada zwa gato na yo soufflé. Pambate le lezali mokolo et sengo. Mila champagne. Joyeux anniversaire, Tom Fitness Santé, Mouloir.